Et dans ma meute, tout le monde m'appelle Pleine d'huître. Rapport à mon totem, l'huître. Madame, j'ai vu ton film contre les braconniers. C'est vrai, la chasse pour les animaux, c'est moyen. Parfois, c'est dangereux pour l'homme aussi. L'autre jour, on est allé braconner avec la meute. À un moment, j'étais fatigué, je m'assis par terre. C'était juste un endroit où il y avait un pied jaloux. Tu sais, à mâchoire. Tu les connais? Oui. Les mâchoires qui font claque, ceux qui sont défendus. Ben ça, heureusement qu'à ce moment-là, mon zizi n'était pas tout dur, hein, parce que le piège me l'aurait broyé. Que là, au repos, il était juste assez fin pour passer entre les mâchoires. J'ai drôlement eu du bol, hein. Sauf évidemment, ça a fourni aux autres l'occasion d'entonner leur refrain idiot. Pin du trina pan d'organe, pin du trina pan d'organe. Mais la chasse, ça n'a pas que des inconvénients. Par exemple, les impôts. C'est un sifflet, tu souffles dedans et ça fait un bruit qui attire un certain genre d'animal. J'en ai là, je vais te montrer. Hé Philippe, parmi ceux-là, mes copains m'ont dit, t'en as un qui attire irrésistiblement les gonzesses. Sauf, je sais plus lequel c'est. Je vais tous les essayer, on verra bien celui qui attire la dame blonde. Mais lui dis pas, parce que sans ça, ma ruse, elle serait déjouée. Bah oui. Tiens, au hasard, je vais essayer celui-là. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Ça n'a pas marché. Oh, ça a tiré un poisson, oui. C'était pas celui-là. Ça imite bien, hein? Ça imite bien le cri du poisson. Mieux que Patrick Sébastien. Une fois, j'ai essayé pour attirer les faisans. Il n'y avait pas de faisans. Mais les chasseurs, eux, ils s'y sont laissés prendre. Hein. J'ai pris de la chevrotine dans les fesses. C'est preuve que ça imite bien. Bon, j'essaye celui-là, alors. Hein? Ça marche mieux, non? Ah oui, hein? Ça tient bien. Ah oui. Mais c'était pas celui-là non plus, Philippe. Remarque, tu m'en tires bien, ce coup-ci, c'est un vrai canard qui est tombé. L'autre fois, j'ai eu du mal à souffler. Les animaux que ça a fait appliquer, c'était bien des palmipèdes, mais d'une autre famille que les canards. Ils avaient des moustaches et des casquettes en cuir. Je n'ai dû mon salut qu'à la fuite, hein? Hé, s'il n'en reste plus qu'un, ça doit être celui-là. Regarde-le comme il est beau, cet impôt-là. Hein? Tu vas voir, madame, je peux bien te le dire maintenant. Grâce à cet impôt, je vais m'adresser directement à la bête qui est en toi. Comme dans la chanson de Johnny. Tu sais, tu vas te sentir chatte, tu vas devenir chienne. Et à l'appel du loup, tu vas briser tes chaînes. Je te le fais. Ça va? Mais non!